Je ne sais pas si vous m'entendez, si le son est bon, juste confirmez-moi que c'est OK. C'est une petite vidéo rapide. Bonjour, bonjour, bonjour depuis Dubaï. J'espère que vous allez bien. Alors je vous montre un peu. Il fait beau à Dubaï. Bonjour, bonjour, bonjour. J'attends un petit peu qu'il y ait un peu de monde et j'ai envie effectivement de faire une vidéo sur l'importance de l'estime de soi. Alors avant d'effectivement d'aborder la vidéo, je voulais juste dire deux, trois choses. Je suis complètement explosé, d'accord? J'ai bossé comme un malade ces derniers temps. Ça a été du 7 jours sur 7, pas de repos, très peu de sommeil. Mais je voulais effectivement que ce soit vraiment une formation d'excellence. Et donc j'ai bossé effectivement comme un malade. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que le son est bon? Ils me disent que ma connexion est faible. J'utilise la 3G, hein. Dites-moi si c'est bon, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bon? Alors, il n'y a personne qui écrit, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bon, s'il vous plaît? Donc voilà, comme je le disais, bonjour Jean-Paul, j'ai répondu à votre email, hein. Donc voilà, comme je le disais, effectivement, ça a été une période incroyable. Pourquoi je fais une vidéo depuis la piscine? Parce qu'effectivement, bah, c'est la piscine de l'endroit où j'habite. Derrière, il y a le bureau, d'accord? Et bah, j'y vais pas souvent à cette piscine et ces derniers temps, j'y suis pas allé souvent parce que j'ai bossé comme un malade. Et c'est là où on en arrive à l'importance de l'estime de soi. C'est quoi l'estime de soi? C'est avoir une haute opinion de soi-même, d'accord? C'est pas effectivement laisser les autres vous dicter ce qu'il faut faire. C'est pas laisser les autres vous dire ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais pas c'est pas bien. On s'en fiche. Le plus important c'est vous, d'accord? C'est pas ce que dit Pierre, Paul, Jacques. D'accord? Une personne va me dire, ouais, Tammy, t'es mal rasé, t'es pas bien coiffé, t'es mal habillé, t'es maigre, t'es gros, t'es ceci, t'es cela. Encore une fois, il y a plein de personnes effectivement qui vont vous demander et qui vont vous donner des leçons. Ces personnes, elles doivent d'abord s'occuper d'elles-mêmes. Ok? N'écoutez jamais ce que vous disent les autres. Fiez-vous à vous-même, d'accord? Et essayez de donner le meilleur de vous-même. C'est ça le plus important. Moi, si j'ai envie de résumer cette vidéo en une seule phrase, faites-vous plaisir. Réaliser de belles choses et arrêter justement effectivement de tomber dans le piège des ce que l'on pense de vous, ce que l'on dit de vous, etc. Pourquoi? Ce matin, j'ai reçu un mail d'une personne qui m'a dit « Oui, Tammy, tu penses pas à nous, etc. » Le problème, je vais vous dire un truc, c'est que quoi que vous fassiez, d'accord, et pourtant la TKL, regardez ce qu'on a fait, la chaîne YouTube, c'est un truc de malade. Et puis, je vais avoir tous les jours des mails de personnes qui me disent « Oui, Tammy, je t'ai écrit un mail il y a une semaine, tu ne m'as pas répondu. »« Ouais, Tammy, c'est pas sympa, tu t'occupes pas de nous. » C'est comme si effectivement, je devais m'occuper de tous les mails de la planète. Bon, à un certain moment, vous voyez ce que je veux dire? Si je tombais dans le piège de ce qu'on pense de moi, bah, je serais toute ma vie frustré. Mais si j'ai confiance en moi, je sais que ce que j'apporte, c'est énorme. Et je sais effectivement que je peux faire mieux, mais je sais que je me donne à 100%. Je bosse 7 jours sur 7, je me repose pas énormément, je suis à fond la caisse. Donc si à un certain moment, vous êtes là à penser ou du moins à être influencé par ce que pensent les autres de vous, vous n'avancerez jamais. Vous ferez du surplace toute votre vie. Donc à un certain moment, soyez fiers de vous, ayez une haute estime de vous parce que ça vous aidera à prendre de bonnes décisions, à avancer, à foncer, à faire de grandes choses. D'accord? Et c'est comme ça qu'il faut voir tout ça. Ce soir, il y aura un énorme YouTube live. J'espère que ça va bien marcher, mais normalement, ça devrait être bon. Énorme YouTube live dans lequel, effectivement, je reviendrai sur les 7 conseils pour devenir libre financièrement. Donc, 7 gros conseils tirés de mon expérience personnelle. Vous allez apprendre énormément. Ce soir également, ça va être également la dernière. La formation TKL LFA va fermer ou du moins, les tarifs actuels ne vont disparaître. Moi, je pense que j'ai créé un ovni dans le monde de la liberté financière. C'est vraiment une formation incroyable. Je suis très fier de du travail qui a été effectué parce que j'ai travaillé encore une fois. Voilà, j'ai bossé. Regardez, je suis pas bronzé. Je suis à Dubaï, il y a une piscine. C'est-à-dire, j'ai qu'à prendre l'ascenseur et je me baigne et je profite du soleil et je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai bossé comme un malade. Certaines personnes vont me critiquer, vont me dire, ouais, mais le gars, il bosse comme un fou. C'est pas logique. Mais je les emmerde, ces personnes. Encore une fois, je sais ce que je veux. Je voulais que ce soit une formation d'excellence. Est-ce que ça va être une formation d'excellence si tous les jours je fais la fête et tous les jours je vais à la piscine et tous les jours je prends du bon temps? Non. Donc, pour que ce soit une formation d'excellence, vous devez donner le maximum. Et ce que les gens pensent de moi, je m'en fiche. D'accord? Parce que je sais personnellement que j'ai donné le max. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'importance de l'estime de soi.
J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez, partagez, adorez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, bah c'est pas grave. Vous pouvez également dire « j'ai pas aimé la vidéo, c'est nul ». Et en plus, personne ne vous oblige à regarder mes vidéos et à être sur ma page. Donc vous n'êtes pas obligé d'être là. Et au revoir monsieur ou au revoir madame si effectivement ça ne vous plaît pas. Merci infiniment encore une fois. Merci pour vos encouragements, merci pour vos messages, c'est magnifique. Je vous montre un peu Dubaï, le ciel, et bien évidemment, voilà, très beau paysage. J'adore Dubaï, surtout maintenant, novembre, il doit faire 25-26 degrés, il fait super agréable, super beau. Et je me souviens encore une fois, novembre, j'étais à Paris, région parisienne, il faisait froid, triste, les gens faisaient la gueule. Et là, voilà, c'est quand même assez le paradis. En plus, en ce qui me concerne, bon, par exemple, par rapport au marché, ça commence à 18h, donc on peut effectivement bien profiter de la journée. Merci, 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 merci. On se retrouve ce soir, énorme YouTube live. On va s'éclater et on va vraiment bien s'amuser. À plus tard.